town, why run? And me will end your week just like a Sunday. Hey, bonjour à tous, c'est DJ Quentin. Et on se retrouve. Pardon. Et on se retrouve pour cet épisode de 12. Oui, je crois que c'est 12 de The Blabla. J'espère que vous allez bien. Et cet épisode est tout particulier. Déjà, je ne parle pas très fort, car je suis serein, on peut le dire. Enfin, je suis bien, je suis. Quoique, il y a un truc qui me dérange. Mais enfin bon, ça va pour l'instant. Et donc, pourquoi cet épisode est particulier? Parce que nous sommes 60 sur la chaîne. Voilà, on a passé, enfin passé, non, on est à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 60 sur la chaîne, 60 abonnés, donc c'est, ben merci à vous, voilà. Alors, il n'y a pas de vidéo ultra spéciale comme je faisais avant, des trucs de délire et tout, parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées, comment on pourrait dire ça, ouais, je sais pas, bref, donc, ben voilà, écoutez, vraiment merci beaucoup à vous, ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui me suivent. Voilà, donc ça c'était pour la première, enfin ce n'est même pas une info, je veux dire, c'est THE info, bref, ça c'était pour la petite parenthèse ultra classe et tout, heights. Donc j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors comme je vous avais dit précédemment, merci, comme je vous avais dit dans le précédent épisode, il fallait que je réfléchisse par rapport à comment j'allais faire... Comment j'allais faire par rapport à que j'ai débugué mon ordi, donc que je peux reprendre Blacklist. J'ai fait mon choix, c'est-à-dire que j'ai déjà tourné des épisodes de AK et de la série Minecraft. Et mon choix a été de continuer Blacklist, parce que il y avait eu la pause sur... sur l'autre Splinter Cell, sur Conviction, voilà. Sur Conviction, il y avait eu l'énorme pause et tout, ça m'avait fait chier. Donc là, je me dis que j'ai pas envie de faire une grande pause, quoi. Ça fait déjà un moment que j'ai le bug, là, et tout. Et ça fait déjà un moment que c'est en pause, ce let's play, donc j'ai envie de le déposer, ça ne veut rien dire, mais de le recommencer. Donc c'est pourquoi que mon... Ah, c'est pour ça que mon choix a été de mettre de côté ces deux séries. Enfin, je sais pas si je les mettrai en ligne en même temps. Je sais pas si ça me demandera trop de boulot ou pas. Je verrai personnellement. Mais Blacklist en tout cas reprend. Donc voilà, il reprend le plus tôt possible. Je sais pas encore quand, mais le plus tôt possible. Et ben avec AK et la série Minecraft, je sais pas. Je sais pas si je mets genre de temps en temps un petit épisode ou si je mets une des deux séries complètement avec Blacklist. Faut encore que je regarde ça, mais en tout cas je sais que Blacklist reprendra. Si j'arrive, ben, je vous sors les trois séries en même temps, écoutez, puisque j'avais dit que après la manette, je crois que je mettrais des nouvelles séries. Et bah, il y en a une qui est pas nouvelle, voilà. Mais après, ouais, c'est sûr que si j'arrive à vous sortir un épisode de chaque, donc je sais pas comment je ferais, genre 2 épisodes par semaine de chaque, ça va être chaud, je pense. Enfin bref, je regarderai ça de mon côté. sinon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'allais au Polymanga, hein. J'allais, oui, effectivement, j'allais. C'est-à-dire que j'ai eu 2-3 petits problèmes familiaux qui ont fait que finalement je n'y vais pas. Donc c'est bien dommage parce que j'avais envie de vous faire une petite retransmission, enfin je sais pas comment on dit, rétrospective, un truc comme ça. Enfin ouais, vous faire une petite vidéo dessus, voilà, j'avais envie de vous faire, mais bon. Je suis un petit peu blasé par rapport à ça parce que le Polymanga, bah déjà c'est les 10 ans, ça montre, donc c'est beaucoup plus grand apparemment, enfin je me suis un peu informé et tout. Et c'est vrai que c'est un truc que je rêve d'y aller, mais ouais, c'est un truc que j'ai super envie d'y aller depuis... Ça fait quoi? Ça fait environ 3 ans que j'ai trop envie d'y aller et tout. Et que j'ai jamais pu y aller. Et donc cette année, je pouvais y aller. Je pouvais même y aller les 4 jours et tout, mais...
Il s'est avéré que c'était un petit peu le caca et donc voilà, donc j'y vais pas, ça me fait un peu chier. Mais bon, je verrai pour la pro pour la pour l'année prochaine, je vais y arriver. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Ouais, je crois que c'est bon. À part que oui, non, j'adore Titanfall, franchement. Bon écoutez, pour la partie annonce, on est bon. Je sais pas si je vais continuer, je veux juste vous dire que ouais, franchement Titanfall c'est un jeu que si vous aimez les FPS ou même pas si vous aimez les FPS mais genre l'acrobatie ou je sais pas quoi, franchement je vous le conseille mais c'est juste épique, on peut courir sur les murs, on peut. Enfin, je vous avais fait une petite vidéo dessus mais je vous ai encore rien montré quoi, je vous ai fait les... Ah, je trouve pas mes mots. Je vous ai fait les grandes bases, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore... Il y a beaucoup de trucs dans Titanfall, un truc de malade. Bon, c'est vrai que je trouve pas beaucoup mes mots. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça m'énerve de faire une vidéo quand je trouve pas mes mots. Donc, bah écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie encore et encore pour les 60 abonnés. C'est vraiment très gentil. Il y en a qui sont là depuis le début, hein. C'est plus mes potes, on va dire, enfin mes potes proches, mais après c'est vrai que même ceux qui ne sont pas proches, je vous remercie beaucoup. Voilà. Bon en tout cas, ben on se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, jouez, hein. Portez-vous bien. Continuez de vous abonner. Allez, ciao tout le monde.